Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant pour l'autre bord de l'eau. Jeudi, nous c'est jeudi 28 mars 2024. Bienvenue dans la quatrième édition Journal en Créole, nous, en collaboration avec VOA Créole, qui a présenté par ami Jerry Cheristal. Actualité sous plan national, gagné Jimmy Cherizier alias Barbecue, foye un message spécial à tout Libanais, à tout bourgeois qui trouvait dans le pays d'Haïti, comme quoi qu'il y ait pour arriver sur très bientôt, c'est coupé tête, bout de caillan, li à pied, alors que yon l'autre côté, gagné un grand Libanais, lui-même qui déjà voué un message by Barbecue pour le remercier et pour le faire le connaître. Lui-même l'a préparé pour lui, c'est chien, ensemble avec mon chant qui pral chanter en termes. De l'autre côté, amis internautes, gros crise en pays d'Haïti, gros crise qui a traversé pays d'Haïti, ça fait un bon bout de temps. Gagner conseil en transition yo même qui mettait dans cadre pour capable préparer yo capable sortir Haïti dans crise que li même lié là yo dernier annoncé et au fait qu'on est yo même y a fait tout ça qui dépendant de yo pour que capable gagner capable finaliser installation et capable gagner yo nomination yo président dans pays d'Haïti. Dernier point, amis internautes, gagné autorité dans état États-Unis, dans pays États-Unis, yo déjà enquêté sur bateau cargo lui-même qui rivait craser pont, qui rivait craser plus gros pont qui gagnait dans état Maryland. Déjà gagné sécurité rivée joindre deux cadavres parmi 600 yo même qui étaient trouvés dans rivière Patasco. C'est tout point ça yo ak divers lot nous va gagner pour que nous capable développer pour dans journal ça rete connecté avec nous n'a prend une petite pause n'a retourner non pour certains. Yo l'autre fois encore bonsoir pour nous tous et bienvenue dans développement journal Sila. Gagné Jimmy Cherizier alias Barbecue et leader vivre ensemble non lui-même qui voulait yo message en féroce en bail depuis ces moun qui trouvaient yo dans classe en bourgeois dans pays d'Haïti, il veut arriver faire connait que pas trop longtemps, il va gagner pour quelque capable arriver sous que sous toute nek sa yo et parmi déjà avant même que les même li aller là déjà arriver zami internautes sous tout esclave yo qui c'est majorité moun qui fait partie conseil présidentiel là que les même li déjà fait comprendre conseil ça li pas capable installer et carré comme tout il va gagner pour quelque capable voler gagner et par la suite li pral arriver zami internautes sous tout un monde qui trouve en dedans pays d'Haïti qui représente yon bourgeois senti yon onse de bourgeois qui pas gagné aucune importance qui vient faire tout kobyo dans pays d'Haïti yon fin vole kobyo y a les sérieux dans pays étranger alors que Barbecue lui-même li dit pas trop longtemps li pral rive zami internautes sous nek sa yo n'a invité capte de Barbecue jeudi mardi 26 mars 2024 là ouais moi même Jimmy Cherizier Barbecue m'ba égaré dans demain m'ba égaré dans des frères m'a mené une bataille mon côté m'bal dans bataille moi ouais puis gros ennemi des salines et pas colon yo et pas colon non tel ennemi des salines était propre esclave pareil qui était premier ennemi je dis à puis gros ennemi vivent ensemble c'est pas si au Libanais yo c'est si nèg nous était green même j'avais et nous premier ennemi. Je mange dans la guette nous avant, je rabourre nous avant. Vous entendez? Après, je vais le prince au Libanais. Et là, c'est le prince, je vais le côté de la guette. Je vais le bien. Je vais le conseil et présidentiel, 7 membres. Ils ne vont pas regarder. Je vais le faire garer. Si je vais le faire grâce et clairvoyance, je vais le faire pour ne pas faire ça. Là. OK et quand comme dans le cou quitter ou parce que ça qui va passer là quand comme après tirer colle et puis nous même nous vivons ensemble nous pas répondre comme contre tout le monde net nous pas répondre comme contre tout le monde OK n'a comme contre tout le monde ou les sommes là et nous pas perdre monde tout dès nous était qui ensemble mais nous on est qui ensemble mon et deux bagages qui arrivent soit l'impression vient mourir ça nous qui était connait déjà. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas pour nous perdre. Mais les gens qui ont fait nous, ils ne peuvent pas pour nous perdre. Ils ont chargé l'argent. Ils ont payé, ils volé, ils ont banque à l'étranger. Ils ont aimé jouer l'argent, ça a appétit. Nous-mêmes, nous vivons ensemble, nous ne pouvons pas good. OK? Et puis, nous ne tout le monde. Nous avons tout fait. Pas ne pouvons pas de malheurs. Ou c'est malheurs qui sont victimes, et malheurs qui sont ici, et malheurs qui sont ça. OK?
sou pa konn histoire à la prendre histoire pays ça pi gros ennemi des salines était nèg noue esclave vareli même je nous a pi gros ennemi vivre ensemble c'est nous même nèg noue tête green après ça et malheur esclave victime et malheur esclave ceci menti mon cher menti gen déficit grand nèg yo fait là regardez je konn ti ba là après dans ce bouvra l'oudande gen grand nèg yo konn ça au petit là après dans ce bouvra l'ou et puis mes grand dans monde nous dans pays là et puis vivre ensemble là et puis n'a goma tout le monde OK pareil monde qui égaré tout le monde gon côté au braler. Voilà, ça c'était chef gang barbecue lui-même qui t'a parlé les amis internautes côté qu'il voyait un message en baillant depuis ces bourgeois qui gagnaient dans pays d'Haïti on croit que lui-même il pas loin arrivé sur que il capable et bien couper tête yo et même bouler caillou parce qu'il déjà gagne zam dans main il montrait pas gagne pela des pour gagne zam pas gagne rien que au même ou pas faire alors que gagnait Georges Sami Sati lui-même qui répond à barbecue, qui voyait un message à barbecue tout pour montrer madame, mademoiselle, et messieurs, c'est mouche qui pral faire enterrement barbecue, c'est mouche, c'est chien qui pral chanter enterrement pendant qu'il balle seulement 30 jours pour qu'il soit capable de vivre et avant 30 jours ça lui-même, qui pral get arrivé pour qu'il soit capable de finir ensemble avec barbecue, tout yel, pété zizil et même manger avec banane. Entendez. C'est ça, mais ça, tu ne peux pas l'avoir. Ou dit qu'on va manger moun. Mais mon chapitre mange un pile barbecue. Et quand pas la voilà son palestinien. Palestinien haïtien, nous ne pouvons pas faire moun nous-mêmes. Nous faisons tout ma clou dans le monde. Nous venons tant à goumé. Et bien, nous allons nous bagaille. Plutôt mange un pile barbecue. Parce que patron blanc prend le barbecue. Nous ne pouvons pas avoir 30 jours pour vivre. On va 30 jours à mourir. Alors jouez chaque jour capable. Parce qu'on sont racailles, ou sont bandits, ou sont criminels, ou sont terroristes. Et nous allons craser Bunda. Pas trop craser Bunda en vain, oui. Mais si nous mettons pour en vain, nous allons manger zizio à toute l'autre saloperie qui va contre là. Fatra qu'on couille, nous allons nettoyer le pays. C'était Sami lui-même qui t'a parlé pour que lui-même capable montrer à barbecue message qu'il voulait balia lui répondit pas trop longtemps tout il bal seulement 30 jours pour qu'il capable vivre dans le pays d'Haïti et avant 30 jours ça c'est pour profiter manger passer lui-même l'a dégager pour qu'il capable finir et si toutefois l'autre monde pas ta tant touyé c'est à eux même qui t'a touyé chef gang et bien chef gang et vivre ensemble et mais il a mangé Sicile avec ça qui est lourd pendant le pays d'Haïti. De l'autre côté, madame, mesdemoiselles et messieurs, gagné ça qui est lourd conseil en transition. Eh bien, pays d'Haïti qui a passé un tracas, qui a subi une crise depuis bien des temps, avec une question de président, ensemble avec le premier ministre dans le pays d'Haïti, depuis après l'exil, tout Ariel Henry lui-même n'y prend, du moins, ils sont l'océan campé loin, qui n'est pas vivant sans même, Yobali, qui va pas rentrer dans le pays d'Haïti pour conseil présidentiel, ça lui-même, il veut tenu compte, et jusqu'à présent, la situation a toujours été compliquée, sans mis internautes dans le pays d'Haïti. Mais conseil ça l'idée qui gagne 9 membres là-dedans qui gagne 7 membres qui c'est conseil présidentiel et deux autres qui c'est deux membres observateurs et ben yo annoncé qu'eux même yo censé presque prêt pour que yo capable faire toute ça qui dépend de yo et y a travaillé du bec et des ongles pour que capable retirer Haïti dans crise ça et y a travaillé tout pour capable finaliser pour capable installer et même river faire une nomination ça de yo président pour capable diriger pays d'Haïti ça semble que dans moment ça et bien pendant il a préparé et quand comment beaucoup de parlant libayo dernier jour c'est à demain et que lundi pour que installation ça capable faite pour capable gagner un monde cap diriger conseil transition non qu'on cap diriger pays d'Haïti non moment ça de l'autre côté madame mademoiselle et messieurs gagner dans pays États-Unis nous pas la plage connou bon côté Joe Biden autorité dans pays ça déjà fait tout ça qui dépend de lui pour que même yo capable mener yon enquête sous pont ça qui veut écraser par
pas bateau ça, madame, mademoiselle et messieurs, eh bien, en dedans Baltimore, dans l'État Maryland, gagné ce crucio qui continue à faire toute dernière recherche qui est capable d'arriver à joindre 6 personnes qui ont mouru et ils joignent deux là-dedans, dans la rivière Patasco. Et ça, c'est une grosse victoire pour les gens qui vivent en dedans. Qui a vivent directement dans les internautes dans l'État Maryland. De l'autre côté, gagné dans le moment n'a pas parlé là, Joe Biden lui-même, administration l'a annoncé gagné 10 millions de dollars qui va gagner pour capable et bien décaisser pour capable aider police nationale d'Haïti à arriver jouer un moyen pour que eux même capable travailler contre gang, lutter contre gang et 10 millions de dollars ça, il va gagner pour capable et bien à bien et décaisser spécialement dans ça gagne avec ZAM, munitions et sans oublier gilet pare-balles, casque pour aider la police nationale qui a fait face avec une grande difficulté côté gang empêcher population vivre et la police nationale même c'est pas une grande opportunité qu'il pral gagner avec administration Biden là qui pral bayo yon telle possibilité pareille. Yon l'autre côté madame mademoiselle et messieurs gagner Ronald Richmond au Caire commissaire ça lui même qui rivé fait une gros action c'est gros bravo qui a battant pour lui même en dedans au cas, le commissaire Richmond après 15 moun, il était fini libéré dans question pas ça côté que gen moun qui t'ai trouvé en difficulté moun qui t'ai volé ti cabrit ti mouton et même moun qui volait yon ti téléphone qui t'ai trouvé dans prison qui pas gen opportunité pour que ou même yo t'ai capable libéré et il était libéré 15 ans semaine qui s'est passé a et jodi a encore nan jeudi c'est ça li libéré plus que 30 moun qui t'ai trouvé en dedans prison au Kayan et gagnen nan on a parlé là gagnen deux femmes seulement qui était là dans tout monde ça qui libéré et c'est gros bravo qui a battu parce que commissaire Richmond lui-même il fait une gros action et en pile monde en dedans au Kayan a demandé à petit vive Richmond vive commissaire Richmond pour tout ça qui lui-même l'irrivé réalisé chaudia en dedans au Kayan. Voilà madame mademoiselle et messieurs c'est tout pour ça à divers d'autres nous arrivé développer pour dans journal ça rester connecté avec nous de façon capable toujours être bien informé et monde qui t'a présenté au journal jeudi à c'était Zamiro Jerry Cheristal Pabli jeudi à c'est jeudi saint demain c'est vendredi on va gagner pour que nous capable aller l'église pour que nous mêmes nous capable et bien annoncer la mort de Jésus lui-même qui était mort pour nous pas oublier si toutefois même ou conduit puis boire et soit boire puis conduit d'une façon pour que nous capable et bien ouais lundi dans première édition nous en première édition journal créole nous pour lundi cap vini là. En tout cas, on a quitté ensemble avec la voix d'Amérique pour plus de détails. Merci Jean-Bert Philippe. Actualité à dans l'État Maryland, l'autorité a enquêté sur bateau cargo qui crasait un pont dans Baltimore, État Maryland. Dans le moment, c'est qu'ils ont récupéré deux cadavres pour VBT. L'administration américaine a apporté une victoire partielle après un coup d'appel dans New Orleans, bloqué provisoirement loi controversée État Texas sur immigration. Et puis en Haïti, Crispé a traversé depuis quelques temps, semblé sur route pour joindre une solution. Après le conseil présidentiel a annoncé, il a travaillé pour finaliser l'installation à nomination du président. N'a pas tout le monde, n'a remercié au jeudi à ce jeudi 28 mars 2024. Jacques Belizer pour un petit congé bien mérité pour le capable reposer et justement recharger batterie encore pour le capable retourner venir frapper avec nous encore Boissia. Actualité à mener directement dans l'État Maryland, particulièrement dans la ville de Baltimore. Côté un bateau cargo, t'es crasé ça il y a longtemps, il y a un pont et sous état, sera le maire. Pour plus de détails. Enquêteurs ont commencé à collectionner preuves d'un bateau cargo qui était frappé pont Francis Scott Key, Baltimore, là, et puis fait effondrer. Pendant ce temps, Daiva a cherché dans l'eau 6 travailleurs construction qui travaillent sous pont, hein, leur était plongé descendre dans la rivière. Autorités ont joint 2 cadavres victimes mercredi. Ils ont présumé ratio mourir. Westmore, c'est gouverneur État Maryland. Today is an important day. It's important that we also acknowledge the moment that we find ourselves in. Lizi Jodia, c'est un jour important. Faut que nous reconnaissions le moment qu'on a traversé. Et puis Jodia, on a pensé à la famille d'Orlean, Castillo, Cabrera, et Maynor, Yassir, Suaso, Sandoval, que nous joignons et puis identifiés hier. Nous la prions pour la famille, et la famille toutes victimes effondrement
pont qui là. Que nous avec famille, nous chagrin en pile pour tragédie ça. Victime yo c'est moun Mexique, Guatemala, Honduras et Salvador d'après ça autorité au fait connait. Maynor Yassir, Soiso Sandoval, 39 ans, c'était petit puis jeune parmi 8 timoun famili. Lissemoun Asakualpa, ou bouc nomon Honduras, tout près frontière Guatemala. Sa gen 18 ans de ça, l'Ital États-Unis pour chercher opportunité. L'été entré aux États-Unis illégalement et puis tabli coli dans l'État Maryland, côté éventuellement l'été l'ouvrir au business avec Frelio. Martin Soiso Sandoval fait connaître mercredi. Li décrit Freli tant qu'un nègre qui était fort en business et puis travail dur. Il fut un pilier fondamental, un bastion pour que d'autres personnes de la famille aussi puissent voyager vers là. Li dit qu'il était un poteau mitan fondamental famille qui te permet même famille voyager aux États-Unis, joindre visa, toute bagaille. C'est lui-même qui te gère tout voyage pour la majorité famille. Sandoval dit c'est dans le grand matin qu'il était appris un nouvel accident. Nous ne savions pas et nous avons fait que pouvait avoir sorti de quelque part. Il dit que nous avons nagé et nous avons espoir que l'État est capable de sauver tête. Mais nous avons besoin de nouvelles officielles sur ce qui est passé exactement. Monsieur dit toute famille est dévastée, surtout maman. Il y a trois Mexicains qui étaient sous point lorsqu'ils étaient tombés. Parmi eux, une qui était blessée, avec deux autres qui disparaissent. Ministère Affaires étrangères Guatemala a confirmé que gain deux citoyens li qui étaient parmi moun qui disparaissent sous pont. Ministère Affaires étrangères Salvador, Alejandra Gil Tinoco, publie un message sur réseau X mercredi côté li dit un citoyen salvadorien Miguel Luna était parmi travailleurs qui disparaissent. Pendant ce temps, dans Baltimore, citoyens a essayé de gérer gros choc qu'ils prend par rapport avec un moyen de transport clé que yo kon utiliser chaque jour. Désastre à la cause pour Baltimore là ferme tout, ça qui gagne gros impact économique sur tout le monde qui servit à elle. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Actualité a mené nous dans la ville de Genève, en Suisse, côté responsable des Nations Unies pour les droits humains, Nations Unies pour Haïti. Et bien, présenter un tableau sombre sur la situation des droits humains dans la nation Caraïbe-là, par Léo Saint-Louis depuis New York. The situation in Haiti is cataclysmic. Volker, qui c'est haut commissionnaire des Nations Unies pour les droits humains, t'a dit dans une déclaration qu'elle t'a fait depuis Genève, pays la Suisse, que Haïti dans une situation cataclysmique. Situation désordre chaotique là qui a crasé quelques pays d'Haïti a vin cataclysmique avec plus passé 1500 monde qui mouri en bas violence gangue jusqu'à présent année ça avec plus zame tout qui a entré dans pays a. Selon ça Nations Unies t'a dit jeudi 28 mars là dans un nouveau rapport bureau droits humains Nations Unies sorti li bay détail comment corruption impunité et mauvaise gouvernance vin aggraver et puis augmenter niveau violence gangue qui affaiblit état de droit et puis effondrer presque toute institution l'état. Bureau Nations Unies pour droit moun yo te déterminé que violence gang yo te fait 4451 victimes. Moun ki mouri avec une autre quantité 1668 moun ki blessé pour année passée. Et puis juste dans 3 premiers mois année 2024 seulement, rivé jusqu'à date 22 mars là, 1554 moun te mouri ak 826 moun blessé selon sa rapport a te dit. Rapport a été décrit violence sexuelle qui a augmenté tant que force et femmes dans relation sexuelle, exploitation par membres gangyo, viol à kidnapping qui fait sous femmes après que yoté wè gangyo touye mario devant yo. Volker te mette accent sur recrutement et abus que gangyo fait sous timoun yo, que ces petits garçons soient tifi, yo même yo vin pas capable quitter groupe gangyo parce que yo peur pour gangyo pas faire revanche sous yo. Haut commissionnaire Nations Unies pour droit moun nan Volker te dit all these practices are outrageous. Toutes pratiques sont exorbitantes et yo doit suspendre une fois pour toutes. Rapport Nations Unies en longe doit tous sous ça yo relé brigade autodéfense là que population yo te mette campé pour contrecarrer violence gang yo cap intensifié. Li averti que moun yo a continuer bay propre tête yo justice. Au moins 528 cas lynchage bois calé été rapporté année passée parmi yo 18 femmes d'après rapport. Et pour année ça jusqu'à présent, yo te rapporté plus passé 59 bois calé pour année ça. Malgré un embargo d'armes internationales qui était mis en place pour essayer d'empêcher violence dans le pays, le rapport a dit que il y a toujours une grosse circulation d'armes et munitions qui a déroulé à travers les frontières pays d'Haïti.
Haut commissionné Nations Unies pour droits moun yo te mandé pour contrôle national et international la pi serré pour empêcher trafic d'armes et munitions entrer et puis continuer créer conflit dans pays. It is shocking that despite the horrific situation on the ground, arms keep still pouring in. I appeal for a more effective. Li choquant que malgré situation terrible sous terrain, zam continue à vider dans pays a. Moins fait appel pour une application plus efficace dans embargo zam yo. Rapport a parlé tout de nécessité pour déploiement urgent une mission support sécurité multinationale pour aider police pays d'Haïti à couper violence et puis protéger population. Rapport Bureau Nations Unies pour droit moun yo te dit que améliorer sécurité a pour compte li pas t'apporter une solution durable, mais li mettait accent tout sous nécessité pour faire bon politique qui visait rétablir état de droit dans le pays. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Pas oublier de partager nouvelles avec Zami, en famille, on peut capable même tout connaître ce qui a passé exactement, pas seulement dans le pays d'Haïti, mais tout dans le monde. Nous pourrons aller dans le visionnaire pour aller dans le pays d'Haïti, côté conseil présidentiel là, faire appel à l'unité dans l'idée pour résoudre crise pays à traverser depuis quelques temps déjà, Yves Manuel. Conseil présidentiel là informé à travers un communiqué limité d'ailleurs l'a travail dans l'idée pour le prendre fonction officiellement. Cependant, il n'est pas avancé en quelle date pour sa fête. Dès que nous fin installé, n'a travail pour nommer un premier ministre et n'a formé un gouvernement union nationale des masses à viser restaurer légitimité démocratie, hein, stabilité et dignité pays, hein, selon sa conseil, au fait qu'on est dans le communiqué. Le conseil présidentiel l'a précisé, l'a préparé le tout pour installation en fait officiellement. Critères et mécanismes déjà élaborés pour choisir président ou présidente conseil, hein, et puis tout pour nommer un premier ministre et cabinet ministériel. Là. Ensemble, nous avons exécuté un plan clair pour rétablir l'ordre et la démocratie. Ça passe par renforcement sécurité citoyen, soulagement misère peuple. Nous allons tout vers élections libres capables accompagner de réformes qui sont nécessaires pour faire pays progresser selon sa document fait qu'on est. Conseil présidentiel là a finalisé actuellement un document qui bail détails sur organisation et fonctionnement et gain là-dedans tout un accord politique selon représentants différents blocs qui signe un document ça à l'exception de représentante Réan Régine Abraham. Enfin, conseil là qui dit conscient de ampleur crise là fait appel à unité nationale une façon pour travailler pour rétablir un climat la paix en d'un pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. N'a toujours été dans Port-au-Prince côté directeur police nationale là François RB mandé policier yo kembe jam dans lutte à mener contre nèg armé identifié comme bandi Renan Toussaint. D'après une vidéo qui est publiée sur page Facebook officielle la police nationale d'Haïti, directeur général institution Franz LB fait état différents attaques bâtiments qui logeaient police nationale l'a subi un bâtiment présumé bandit armé plusieurs milliers moun bande armée fait courir qui des cailloux à quantité bien public à privé bandit pillé DGPNH l'a tenté mettre population haïtienne en confiance face à toute dérive ça yo la situation difficile ça que nèg exam a tout acolyte yo mete nou an la police vinn di nou li campé ferme ak nou et li comprenn problème ak tête chargée que n'a traversé a la police a vinn di population c'est résistance li ki bal force ak courage pour continuer bataille pour nou ka tourner dans quartier nou et dans mitan famille nou pendant ce temps commandant en chef la police là salue travail policier yo li estime ki pa rete bras croisés devant action bandi yo et mandé yo continuer goumen pour rétablir l'ordre et sécurité sur territoire national là. La police après poursuivre opération yo la journée ou la nuit. C'est peut-être ça tout. Commandement Pape Jean suspend faire louange pour courage et détermination policier vaillant nou yo qui te respecté consigne que nous yo et qui campé djem l'engoumen pour la paix retourner. La journée ou la nuit, pour ne pas quitter le pays à tomber dans les bandits criminels. Le commandement a profité de frères et seuls policiers qui ont fait pas la guerre. Parce que j'ai fait ça, provoqué en pile admiration et ak satisfaction dans la population à court commandement. Déclaration DGPNH, la France LB,
vini nan moment côté président américain Joe Biden autorisé secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour voyer by police nationale d'Haïti $10 million américains cap sorti dans ministère sécurité intérieure États-Unis. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Alors, on dit que l'agence là pour elle servir pour acheter des armes avec munitions pour police nationale là capable continuer bataille à mener contre gang armé. Dans l'autre nouvelle, docteur Fritz Bisseret, leader congrès Wana Metlan, et ben lui-même qui t'a pris une question collaborateur nous Jacques Mélisier, ben lui-même dit qui façon que même lui était quoi ou bien qui démarche quoi transition est capable entreprendre pour y réussir. Nous croyons que pour la réussite, n'est-ce pas, d'une transition, pour une transition et qui réussit, nous parler de l'inclusion. Il faut que le dialogue se fasse avec tous les secteurs. Et il faut que nous arrivions à un pacte, n'est-ce pas, à ça, nous, un protocole de paix. Nous rencontrer en pile le secteur international, côté la même situation, ça, nous garder comment ils ont résolu, que ce soit en Afrique ou bien en Amérique du Sud, et nous prenons tout document ça, nous travaillons sur yo, et nous prenons des contacts également à travers, soit directement à travers des intermédiaires, avec les nouveaux acteurs de la crise, disons, mais réalité. Parce que qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Nous pensons que il y a un pile monde qui a un pile ambition, mais il faut que chaque monde connaît qui côté est capable de placer en dans nos structures sur nos échiquiers. Il faut avoir non pas des chevilles carrées dans des trous, mais pour avoir, n'est-ce pas, the right person in the right place. C'est-à-dire les chevilles carrées dans des trous carrés et les chevilles rondes dans des trous ronds. Donc voilà pourquoi nous pensons que dans ce dialogue permanent que nous avons fait avec, n'est-ce pas, tous les secteurs, nous demandons de prendre conscience de la situation. Parce que ce qui manque, du manière générale, auprès de ces acteurs, c'est l'amour du pays. Parce que qui s'arrive? Je ne pense pas que ce qui est fait actuellement dans le pays, là, c'est un simple hasard. Que c'est une forme de destruction qui est fait, que c'est un bagage qui est fait. Il n'y a pas un bagage qui est fait au hasard. Et nous pas naïfs, nous comprenons très bien ce qui est fait là. Voilà pourquoi nous autres, nous rencontrons, n'est-ce pas, des mondes. Nous pas seulement contentons-nous de faire des analyses, de faire des lectures, mais nous essayons le maximum de données possibles pour nous capables de dire qu'il y a une possibilité, n'est-ce pas, d'avoir dans ce pays ce que nous appelons un pacte ou bien encore un protocole de paix, n'est-ce pas, et que nous capables d'arriver à faire monde prendre conscience parce que y'a déjà et que ceux-là qui sont des valets, qui ont toujours été des instruments utilisés, n'est-ce pas, par l'international, lorsque nous pas capables des exemples, nous pas contentons seulement de barrer des exemples de ça qui passait dans des pays étrangers, comment ils utilisaient, leur fin utilisaient, comment ils servaient avec eux après, mais nous barrer des exemples récents dans notre histoire de monde qui était toujours pensé que parce qu'ils sont au service, n'est-ce pas, de Coulomb, parce qu'ils sont au service de l'étranger, eh bien, ils sont bien gardés. Nouvelle concernant l'immigration, eh bien, l'administration Biden a emporté une victoire partielle après un tribunal dans l'État de Louisiane, parce qu'il y a une Nouvelle-Orléans, eh bien, prend décision pour bloquer loi controversée État de Texas pour limiter en application sur l'immigration. Un coup d'appel États-Unis dans Nouvelle-Orléans bloqué tentative État de Texas fait pour appliquer une loi immigration controversée. Loi qui est le SB4 considéré comme criminel immigrant qui t'a rentré illégalement dans l'État de Texas et ba juge au pouvoir pour déporter immigrant avec possibilité pour y passer jusqu'à 20 ans prison si y pas voulu tempérer. Edna Young, co-directeur groupe American Gateways, déclaré proposition inconstitutionnelle ça pas dérivé dans point ça. N'attend pour tribunal yo bloquer définitivement pour capable continuer discuter sur solution politique réelle. Loi SB4 là, yon jete bloqué en février après face avec une série de défis légaux malgré Cour suprême nan brièvement te permettre d'y entrer en application. Mais après une révision approfondie, tribunal coup d'appel là avec deux voix pour yon compte empêcher l'entrée en application en attendant l'étendue des positions parties concernées au 3 avril qui vient là. Quelques officiels locaux dans l'État Texas déclaré qu'ils douté sur l'impact loi ta capable gagner même si tribunal a accepté l'entrée en application. Skylar Hearn, directeur exécutif association Sheriff État Texas, parle pour dire loi pas ta pral porter changement sur frontière à cause de ressources qui pas assez. Chaque monde a fait ça capable de dire. Heureusement, gouvernement fédéral là a fait partie pal dans pifo zone frontalière.
Administration Biden a plaidé pour dire loi Texas là empiété sous droit exclusif gouvernement fédéral a gagné pour appliquer loi complexe immigration. États-Unis établit procédure pour déportation et puis permettre immigrants yo appliquer pour asile à l'ordre et statut légal. Immigration avec sécurité sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, c'est un sujet important dans la campagne électorale élection 5 novembre yo, entre président démocrate Joe Biden et candidat parti républicain Donald Trump. Jean-Ouer Philippe, VOA Creole, Washington. Quelques dans notre point cap de mini actualité avec Marie-Louise Pierre. Organisation Médecins du Monde là, t'es visité monde qui était dans le camp déplacé au dans lycée des jeunes filles dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince mardi 26 mars là dans moment avenue politique pays n'a eu un passe à gang armé qui gagne plus contrôle sous villa à plus loin toujours. Et un tribunal t'a empêché tentative d'exercice à fait pour l'appliquer une loi qui t'a soulevé en pile parole en pile pour arrêter mon suspect qui t'a traversé frontière États-Unis avec Mexique illégalement. Mercredi 27 mars passé, yo mené yon ti moun piti palestinien qui te gen 2 mois qui t'a souffri ak malnutrition grave nan l'hôpital Kamal Adwan nan Nord Gaza. Yo rapport Nations Unies te appuyé moi ça, te di a fait grand goût frappant et gen pile chance pour rive nan moi mea nan Nord Gaza. Merci Marie-Louise Pierre. Dans l'autre cadre de mini actualité, nous parler dans ville Cap-Haïtien côté et malgré un pile problème, il y a confronté mais l'hôpital Université Justinien dans ville Cap-Haïtien continue à pourvoir service tri. On a jeune Gérard Maxino pour plus de détails. Malgré difficulté, la fait face à lui, l'hôpital Université Justinien dans ville Cap-Haïtien continue l'ouvrir pour recevoir population grenoise qui vient chercher soin la santé. Directeur exécutif de l'hôpital là, docteur Jean Jeto Dubé a expliqué quelques difficultés il a rencontré. Normalement et l'hôpital là et depuis quelques temps travaille 24 sur 24 et bon médecin assez motivé, tout le staff là assez motivé malgré comme si manque de moyens qui gagne yo. Je pense que les urgences qui arrivent jusqu'à présent, pendant toute période, là, nous répondons à eux-mêmes. Vous comprenez? Et en général, les urgences médicales, les urgences chirurgicales aussi, et les urgences de césarienne aussi, et les pédiatriens, même, je n'ai parlé depuis quelques temps, les pédiatriens full à 100%. Donc, en d'autres termes, et relativement, je pense que nous avons un rythme croissant malgré tout problème qui gagne. L'hôpital là, selon le responsable, a fait face, dernier temps, à un gros problème économique à cause du pays qui est censé l'oc. Directeur exécutif a expliqué qu'il y a une grosse difficulté pour jouer médicaments qui sont sortis de l'hôpital là, Port-au-Prince. Maintenant, nous venons dans un contexte comme si nous avons de pays, en forme de pays lock, parce que nous sommes bloqués. Donc ça veut dire que tout produit est sorti de Port-au-Prince. Nous avons effectivement des problèmes comme si pour nous approvisionner nous et en entrant, qui viennent chita déjà des problèmes comme si connus du financement. Mais comme vous me répétez encore, jusqu'à présent, malgré tout problème ça, l'hôpital a fait tout ça capable pour faire face à la responsabilité, la mission. L'hôpital universitaire Justinien pas de moyens pour acheter gaz pour Delcoyo. C'est grâce à un système solaire tout neuf, yo fait un gain qui permet yo jouer énergie électrique pour capable fonctionner. Nous avons un système solaire qui quimbe de tous les jours, nous faisons rationnement un petit peu le soir pour nous gérer l'urgence. Mais si nous n'avons pas gagné un système solaire, là, je garantis que nous avons vraiment en difficulté parce que nous n'avons pas gagné un carburant. Responsable a fait qu'on est, dans un moment gros problème, yo travaille dans la tête collée avec l'hôpital qui tout près, dans l'esprit coopération, yon aide l'autre pour résoudre une série de problèmes. C'est ça qui te permet de combattre le coronavirus et le choléra. Gemilo, il y a quartier Morin, c'est deux autres hôpitaux quand même qui sont dans le département. Et bon, je parle de Pillon qui est là, mais je parle de l'hôpital qui est près, l'hôpital Justinien. Tout l'hôpital ça quand même travaille et dans le moment de crise, nous avons fait le COVID déjà. Chaque fois ça arrive, en coordination pour nous faire face à des cas qui ont nécessité quand même que nous avons référence une pour l'autre. Justinien, qui est dans le centre-ville au Cap, c'est plus l'hôpital l'État
dans le département Nord. Gérard Maxino, Cap Haïtien, pour la Voix de l'Amérique. N'a prêté dans le Grand Nord, côté la police gaya gaz lacrymogène, manifestation population 5 communes dans le Nord avec Nord-Est a fait compte raté ou bien raté et courant électrique. Nous voyons une jour de Junior Saint-Ville depuis Ville Fort Liberté. En bas, invitation au regroupement des citoyens engagés de Trou du Nord qui gagnent dans jouet li reset, plusieurs centaines de citoyens qui étaient sortis dans 5 communes département Nord et Nord-Est, qui c'est Limonade, Trou du Nord, Caracol, Terrier Rouge et Sainte-Suzanne, manifesté hier mercredi 27 mars 2024 là dans ville Trou du Nord à Caracol contre responsable compagnie courant électrique Enrica qui n'a pas industriel Caracol là parce que d'après ça yo dit yo changé horaire distribution courant qui était 24 sur 24 qui passait connait là à seulement 3 heures de temps. Et un petit temps après, la police qui t'a sécurisé manifestation t'a utilisé gaz lacrymogène pour te gailler foule là qui t'a gonflé devant portail principal parc industriel Caracol. La police, c'est directeur Enrica qui range Jacques pour faire ça. C'est pas le premier jour nous venons devant là. Nous pas faire des ordres. Les policiers n'ont pas le droit à tirer barrière sur nous, à boire gaz sur nous. Nous disons ça à pas Enrica. Tout le temps, pas de courant 24 sur 24 pour qu'on pas fonctionner. Objectif nous, après-midi, c'est pour nous lancer un message clair. Bye, monsieur qui n'a tête Enrica. Les à USAID. Les USAID tap géré pour Enrica. Nous avons des courants 24 sur 24. Depuis monsieur ça, il prend tête Enrica, pas de courant. Ça fait courant, pas de courant. Nous allons jusqu'à demain, si Dieu veut. Nous allons jusqu'à demain, si Dieu veut, pour retourner courant 24 sur 24. Nous-mêmes, au niveau Trou du Nord, Caracol, Sainte-Suzanne, Limonade et Terre Rouge, nous disons, tout autant Enrica, pas retourner sous décision. Pour le ban nous courant, Jean Déa, après tout béton là, et n'a pas empêché par industriel à fonctionner. Après manifestation, si là, sans printemps, responsable compagnie électrique Enrica yo fait sortir une note. La dans yo déclaré, et n'a pas cité. Après confirmation que factory qui n'a pas industriel là, pral suspendre travail pour reste jour dans semaine ça, n'a pas informé yo que ça a permis nous augmenter quantité les courants, sorti 7h à soir pour arriver minuit et demi, 5h temps à 30 minutes. Commencé à soi 27 mars là. Augmentation ça a apprêté pendant l'autre semaine dans tout, avec l'espoir premier cargaison gaz cap sorti Saint-Domingue yo rivé dans fin semaine là. Fin de citation. Dans notre si là, responsable yo fait connait, seule façon y a capable respecter nouveau horaire courant, c'est si yo continue joindre gaz cap sorti en République Dominicaine. Yon dossier n'a pas suivre. Jodle Junior Saint-Ville, depuis zone industrielle Caracol, département Nord-Est pour VOA Créole. C'est dans pour tout, une organisation dans Chicago, Illinois, offre cours anglais gratis pour immigrants, non seulement qui vivent dans la ville là, dans la ville de Chicago, mais dans la zone alentour. Nous avons une journaliste, Obed Lamik, pour plus de détails. Mandelé Dorette, c'est un jeune haïtien qui est dans la trentaine. Il débarque dans la zone Chicago dans le mois de janvier avec un pile rêve dans la tête. Mais une des premières barrières qui monte sur l'autre, c'est la langue. On ne peut pas vivre dans le pays, on ne peut pas parler pour bébé. Et moi, il y a offre non plus l'opportunité, mais à l'opportunité à tout, faut me capable de l'anglais pour aller à l'école. But si je n'ai pas l'anglais, je ne peux pas le faire. Mais Mandelé est déterminé pour changer la situation. Ça. Il y a peine inscrit dans un programme anglais qui fait spécialement pour migrants haïtiens. Mon expérience que je fais dans le programme, là, c'est un test sur moi, mais mon test là pas tellement mal que ça. Je suis dégagé, je vais 25 questions. Je vais à tous les 25, après le résultat, et lundi. Yon nan moun ki vini avec l'idée pour mettre programme ça sous pied, c'est Aline Loture, yon citoyenne qui travaille en pile avec migrants haïtiens yo dans zone nan. Bon, pour nous même, c'est la première fois que nous mettons cours d'anglais et English as a second language pour la communauté. La nécessité, c'est pour moun nou yo, famille nou yo qui fait venir pour apprendre anglais, pour yo gérer la vie yo, avancer la vie yo, avancer l'étude yo, pour yo ka travail, pour yo comprendre. Et des documents que y a aussi hein, ça sont gros on go ba lié pour mon yo aussi un papier yo yo en anglais gade le pas comprendre ça y a aussi hein, donc yo obligé gen mon qui obligé pour interprète pour mon yo. Et c'est pas seulement Mandelé, gen plusieurs autres nouveaux migrants haïtiens qui gen inscrit dans programme anglais ça. Sari Chavan, professeur qui a fait cours anglais, a bay quelques détails sur genre apprentissage là pour aller dérouler. Nous gen 19 monde qui est inscrit déjà, mais moi j'ai déjà anticipé que majorité a c'est en ligne que pour aller faire classe ça parce que il y a qui pas même dans localité là, il est très loin. Objectif là, nous commencer dès le début
parce que nous assumons que c'est pas tout le monde qui parle anglais, mais nous pourrions travailler quand même à niveau moun nan kote liye. Faut que nous dit tout, étudiants haïtiens n'ont pas payé un goud pour prendre cours anglais ça. Le programme ça est fait gratis grâce à une collaboration entre organisation polonais américain yo à congrès haïtien américain. It both reflects our programme ça reflète mission nous gagnons pour nous servir toute communauté immigrant en Chicago. Dès j'aimerais apprendre ça, histoire haïtienne m'a rendu à l'histoire la Pologne. Sorti si tout dans fin 18e siècle là, dans période la guerre pour l'indépendance là. L'histoire rapportée te gen plusieurs soldats polonais qui t'a marché derrière Napoléon et qui devine décider changer camp pour aller porter renfort plutôt by haïtien ou qui t'a bataille pour indépendance yo. L'important pour nous continuer honorer héritage ça et surtout continuer créer plus lien entre haïtien et polonais. Pour connait mandlé toujours à chercher travail pendant li a prend cours anglais et li espérer niveau anglais à améliorer dans un temps qui pas trop loin. T'a gen dans programme t'a amé dans 6 mois. Pour qu'on ait un cavalier là, on a fait une conversation normale à l'époque. Obed Lamy, pouvez-vous accueillir depuis Chicago? Eh bien, nous parlons dans Orlando, Floride, côté nous parlons d'une correspondante, non, Yves Montpommier. Vedette internationale, chanteuse allemande qui grandit dans la ville cap-haïtien, dans nos pays d'Haïti, Cornelia Chute, alias Ticon, mandé haïtien dans tout secteur en Haïti, tant qu'on en diaspora fait un seul pour retirer pays d'Haïti dans une situation difficile à vivre, jeudi, dans un petit palais avec VOA Creole, Ticon lance appel à les politiciens pour dire mettez à côté tout intérêt personnel dans la question de l'argent à pouvoir, mais plutôt travail dans l'intérêt pays d'Haïti. Vous mettez tout ensemble pour régler le problème, ça? Et puis, faut que vous suspendez tout le monde à essayer de faire corps et tout ça. Il y a l'autre valeur dans la vie, monde qui compte plus, justement, pour aider l'autre monde, l'amour et tout ça, qui est beaucoup plus valable que l'argent et pouvoir. Et vedette là, qui chantait Haïti, n'a presque toute musique li, c'est avec cœur serré, avec un pile la peine, la vive depuis pays l'Allemagne, ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Son bail qui serré comme un pile, et puis il y a des musiques tant que sous le ciel d'Haïti. L'aime chanter, il y a un pile d'émotions sous lui, mais on connaît, forme continuer à chanter, parce que c'est ça qui fait mon yo. Continuer gon rêve que Haïti sa capable tourner. Ticon t'es parlé comme ça dans ville Orlando, côté il t'est performé pour la première fois pendant week-end nan, devant membre communauté haïtienne. Nan. Yves, mon premier, vieux à Creole, ville Orlando, dans l'État Floride. Bonsoir tout le monde. Bon week-end.